Il vient donc du Cameroun. Alors, depuis quand maintenant tu fais de la guitare? 2 ans. 2 ans, ouais. 2 ans seulement. On dirait pas, on a l'impression que tu es né avec. D'où est née cette fibre-là, cet amour pour la musique? J'ai toujours chanté hein, quand j'étais petit au village. Ok. Parce que je viens d'une famille chrétienne. Ouais. Notamment protestante. Protestante, oui. Donc, du coup, on était bercé par les musiques protestantes. Et les prières musiques aussi. Oui, les Jésus musiques de la chorale. Mon ami, de tout. Effectivement. Donc, du coup, à force d'écouter, je pense que c'est... C'est resté en toi, oui. En fait. Et puis, vous savez, le mal-être, ouais, fait chanter des fois. Le mal-être fait chanter. Le mal-être, chez nous ici aussi, c'est le gourmet. C'est quand tu n'as pas d'argent, ouais, quand tu te sens pas bien dans ta peau. Voilà, effectivement. Si, si. Merci, Will. Alors, fais-nous quelque chose sur le mal-être. Je suis Willy, je n'ai même pas 10 000 francs dans ma poche. Comment je peux le transcrire en chanson? Et rassurez-vous, c'est de l'improvisation. Ce garçon est incroyable, il a une capacité inouïe d'improviser. Je ne vais pas manquer, yeah, 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 dans cet impro, mon frère, de te remercier, yeah, de m'avoir invité en toute exclusivité. Yeah. Les façons tu m'as présenté, mon frère, j'ai été touché. Yeah. C'est comme une lettre. Maintenant je parle du mal-être, yeah, qui a envahi mon être et a fait de moi ce que je suis. Tu as dit que tu n'as rien dans ta poche, je n'ai rien. Mais ce ne sont que des mots qui sortent de ta bouche, mon frère, yeah. Quand je vois ton sourire, j'ai juste envie de dire que tu dois dire merci au Seigneur à Willy à midi. Oh, merci, allô, Seigneur. Merci pour le beat, mon frère, tu connais. Maintenant, ça va vite. Sur le plateau, c'est un Camerounais. Yeah. Ah ouais, vous connaissez le continent. Yeah. Le continent a rempli de talent. Yeah. Manakonolinga, on est vaillant et le kang est galant. Ah. Tout le monde connaît l'intelligence et la diligence du Camer. Manakonolinga, mes doigts sur la guitare, je monte à la Côte d'Ivoire, qu'on est des frères. Yeah. On n'a pas besoin de division. Je le dis dans cette improvisation, pour moi, faites des acclamations. Oh! Encore s'il vous plaît pour Vanister. Vanister, rassure-toi, dis-moi, tu es là pour combien de temps encore? Je suis là pour 10 jours. 10 jours? Oui, 10 jours tu, encore. Tu es là encore pour une promo, c'est ça? Oui. D'accord. En fait, j'ai prolongé mon séjour parce qu'à Abidjan, là. Abidjan est trop doux, j'adore la Côte d'Ivoire. Alors, nous aussi, on adore le Cameroun. On adore notre culture, on adore aussi la nourriture, on adore tout ce qu'il y a là-bas aussi. Et surtout, je dis grandement merci pour le respect avec lequel j'ai été accueilli. Vous savez, je me demandais comment est-ce que ça va se passer. Ouais, ouais. Parce que c'est ma première... Si, télé, dans, oui, depuis qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire. Oui. Je profite pour dire merci à Live TV. Merci. À toi et merci. Surtout au merci. Grand frère Yves Dembella. Merci. Qui a rendu tout cela possible. Vraiment, c'est un magicien, le monsieur, là. Oui. Avec un simple coup de fil seulement, là. Tu devais me voir où? Je te dis. J'allais avoir la chance. Comment que j'allais tu me faire... connaisses où? Non, mais comment j'allais faire pour bénéficier de ton talent? Tu es tellement exceptionnel. Bébé les Zamba, Zamawa, c'est vrai, non? Bébé les Zamba, ça signifie au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Ouais. Bébé les Zamba, il rentrait dans le nom de Dieu. Il rentrait dans le nom de Dieu. Il rentrait dans le nom de Dieu. Je ne savais pas que c'était mon frère Kamé. Voilà. Je suis même dans le loge, j'entends la voix, là. Je dis, mais donc, attends, ouais. C'est l'homme qui s'entend comme ça. Il est trop fort. C'est dans le pro que tu étais. C'est le pro, frère. Ouais, gars, il n'a même pas eu un texte. Il a improvisé comme ça. Je te dis, il est fort. Mais est-ce qu'il peut improviser sur le facochet? Non, attends, tu ne vas pas lui demander d'improviser sur le facochet. Mais c'est la nourriture, non? Tu manges sur le facochet? Ouais. Non, le cocotis, le porc. Je préfère le porc. Ouais. C'est notre... Arrête, oh. tu es toujours en train de faire le fou. Frère. Mais attends, gars, ce n'est pas comme ça que le porc fait. Mbom, c'est un mbom qui est là. Tu ne peux pas venir encore nous dévaloriser comme frère, ça avec le. Pourquoi frère, tu fais ça? Fais le sauter revenir. Tu improvises sur le pont. Bon. Si tu as fait ça, il y a pour qu'on t'accueille là. Tu as déjà reçu mon frère. Je vais te donner des noms.
que tu vas essayer de prendre dans l'impro. D'accord. On a Gabriel Gare, mais malheureusement, ils ont cassé. Arrêtez de pleurer, ils ont cassé, ils ont mis ça. Gabriel Gare, c'est la référence de la vente du porc. Mm. Gabriel Gare. Gabriel Gare. En Côte d'Ivoire. Okay. Gabriel Gare. Pendant que tu chantes, tu mets seulement Gabriel Gare. Frère, ouais. C'est la chance, c'est frère, la plus grande chance. Tu auras un an d'abonnement gratuit à Gabriel Gare, je te jure. Table numéro 7, c'est maman Adèle. Va là-bas, je reste ici. Mais attends. Hein? Tu veux chanter? Il chante, mais on ne mange pas. Ah, mon frère, laisse-le chanter d'abord. Ah, chante donc. Ah. Piano, pardon. N'accompagne pas l'impro. Ah. Merci, merci. Tu as coupé, tu es un pro. On m'a demandé de chanter pour le facochet. Yeah. Après, on a dit pour le porc. Yeah. Dans tous les cas, les deux sont chers. Alors, je commence d'abord. Par faire un coucou à tous mes gars. On appelle encore là-bas comment? On appelle ça Gabriel Gare. Gabriel Gare. Je viendrai vous rendre visite avec ma guitare. Yeah. Et je vous chanterai quelque chose avec ma voix. Ah, yeah. Et ensemble, on va partager l'espoir qui est dans mon combat. Yeah. Gabriel Gare. Je viendrai là-bas, on va se voir et on va partager des choses. Yeah. Parce que le Cameroun, partout où on passe, on s'impose. Yeah. On prend tout le monde en amitié, en fraternité. Vous avez bien remarqué que je ne finis jamais de chanter sans parler de mon pays. Même quand on me demande de chanter pour Gabriel Gare, je jette une mélodie. Yeah. Parce que je suis fier d'être Camerounais. Yeah. Cette terre que le monde entier connaît. Et surtout j'aime la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je suis venu vous voir. J'improvise, les applaudissements sont en train de pleuvoir. Merci infiniment. Attends, allez, Vanister, rapidement, là, il y a le micro même qui est content, qui voulait aussi applaudir. Bravo, merci. Et Vanister, rapidement, un message à l'endroit donc, de tous tes frères du Cameroun, de la Côte d'Ivoire aussi. Tu es là encore pour une dizaine de jours. Et c'est l'occasion en tout cas de bénir.